on l'a refait, alors qu'est-ce qu'on peut se donner? C'était un petit peu lent encore. Ouais. Ça rame quoi. Faudrait que ce soit un petit peu plus rapide. Il y a eu un truc intéressant, c'est que vous avez modulé à un moment donné. Vous avez vu, ça a monté. Il y a eu une montée d'un demi-ton ou d'un ton, je sais pas, il y a eu un truc. Les répétitions, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment kiffant parce que. Voilà, on n'a pas de stress particulier, c'est vraiment, ça sort de nous quoi. Pour l'instant, c'est nous qui contrôlons totalement l'affaire. On bosse sur des chansons pour, à terme, enregistrer donc une maquette album avec vraiment un univers donc ciblé, vraiment marqué. Là, on va continuer hein, à détailler en fait les chansons, les arrangements, pour vraiment trouver les bonnes couleurs, pour vraiment arriver à plus proche de l'univers quoi. Pour l'instant c'est vraiment que du plaisir, que du bonheur quoi. Voilà. C'est belle non, t'as lancé un truc, t'as vu une modulation. Peut-être que j'ai. Arrête un j'ai l'impression que toi tu rentres, c'est un moment vraiment en rythme. Putain. Voilà ce truc là. On sait qu'à partir de là, on compte par exemple 2x8 ou 3x8 et puis voilà quoi. Peut-être aussi, essayons aussi d'écouter un peu plus tout ce qui est enchaînement. Soyons à l'écoute, s'il vous plaît. Ouais. Parce que des fois, je trouve que c'est quand même vachement forcé, quoi. Et ça manque de... De souplesse. Ouais. Il y a des trucs où vraiment on a l'impression genre tout le monde fonce, tu vois, dans l'ouverture et ça fait pas très... Je sais pas. Et si on a une bonne écoute, normalement les transitions se font mieux, hein. Et Hélène, juste tu rajoutes, tu te rappelles la partie piano qui part un petit peu en free, là. Dans les dates, là, que tu faisais... Une gamme chromatique. Est-ce qu'on pourrait se le refaire et on fait directement à partir du pont? Fabien. Bah Fabien, je pense que il a ce brin de folie qui peut accompagner vocalement parce que il se fixe pas de limite et du coup on sait qu'avec lui on peut aller vraiment très loin. C'est ça qui est. Fabien, en fait, c'est la synthèse un peu entre les grandes idoles du rock'n'roll ou de la pop type Bowie ou les gens de cette époque-là et puis l'énergie de la musique d'aujourd'hui. Bon, ça s'est passé en fait d'abord dans la tête de Fabien où il entendait des choses et puis après on se retrouvait autour d'un piano et on a concrétisé ensemble. En fait, j'ai été chercher à l'intérieur de son cerveau comment articuler un univers autour de ses mélodies. Je dirais un univers qui est mêlé entre l'amour, se demander pourquoi voilà, on est en vie, forme de mélancolie, voilà, pas mal d'émotions en fait, qui se mélangent comme ça, mais qui au final sont quand même des textes très positifs. Pareil au niveau des mélodies, c'est des mélodies qui sont très, comment dire, avec des envolées quoi. Donc c'est, voilà, c'est frais, c'est énergique pour encourager les gens à vraiment voilà, se lever le matin et se dire bah, ma vie a un sens, je suis bien et j'ai envie de continuer et puis j'ai envie de faire plein de choses. Je fais vraiment de la musique, je dirais, voilà, dans le partage. On ne peut pas faire de la musique tout seul.